quelle ambiance de vacances, hein. Et ça tombe bien parce que j'ai décidé de passer les miennes ici, au théâtre. Et non, c'est formidable, ça m'évite les embouteillages, les piqûres de moustiques, les coups de soleil. Puis regardez, les projecteurs me font toujours le beau temps. Avec madame, on vient de vous faire la soirée dansante au camping de la plage. Il manque plus qu'une chose, la mer. Eh ben vous allez me la faire. Tiens, on a déjà un rocher, là. Mesdames, dans les deux premiers rangs, vous allez me faire le ressac. Je vous montre. Allez-y, gros sac. Allez. Il veut rien faire, lui, hein. Quand vous ferez la pieuvre. Allez. C'est bien. Bon, stop. Par là. Vous faites les mouettes. Tout ça. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Là, au fond, vous faites le vent, là. C'est bien. Parfait. Là, vous me faites les crabes. Oh, c'est génial. Super. Là, vous allez faire les paquebots. Vous voyez, paquebots ? Je vous montre. Ah non, pas vous, pas vous. Oh, qu'est-ce que c'est, paquebots de merde, là ? Il faut des paquebots de qualité, là. Du bon paquebot. Voilà. Et maintenant, mes enfants, tous ensemble, le ressac. Des photos comme ça, des photos de vacances, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je vais en donner à mes copains qui m'envoyaient des cartes postales. Regardez ça. C'est formidable, j'en ai reçu plein. Ça, celle-là, elle est de Mathieu. Ah oui, oui. Il a réussi à quitter son exploitation agricole, comme il dit. Pour la première fois de sa vie, il a emmené sa femme Sylvette pour 8 jours de vacances au Sénégal. Pas de merveille, ça. Alors, comme il adore la pêche, il s'est acheté tout un matériel hyper sophistiqué. À la quincaillerie Gluchon, à Chavignal-Glaiseux. Et maintenant, il a une gaule. En fibre d'acétate moelle et de méthylsazone. Des appâts pour tous les poissons, tout un bric-à-brac très compliqué. Alors, le premier jour, pendant que sa femme Sylvette va bronzer sur la plage, lui, il va pêcher. Il s'installe au bord de la flotte avec tout le matos. Il prend le petit manuel d'utilisation. Alors, voyons. Pas de vagile, tout ça. Pour attraper la morue, faut empâter au maquereau. Pour l'arrêt, faut un peigne. Pour le merlan aussi. On peut pas pêcher au verre comme tout le monde. Qu'est-ce qu'ils prennent avec des verres? Ah ben voilà! Les verres, c'est pour le bar. Et hop! Met sa ligne dans l'eau, puis se cramponne à sa gaule pendant 2 heures, il attrape rien du tout. Ah, c'est pas vrai. Ah, si j'ai attrapé une bonne chose, c'est une crampe. C'est alors qu'arrive au Koumé un pêcheur du village voisin avec un seau à la main. Alors, monsieur Mathieu, est-ce que l'investissement dans le matériel sophistiqué auquel vous avez procédé a une quelconque influence sur le comportement de la faune aquatique? Moi, j'ai rien compris, là. Je veux dire, est-ce que ça mord? Mais non, ça mord pas. Il n'y a pas de poisson ici. Il va y pêcher ailleurs. Mais s'il y a du poisson, monsieur Mathieu, je vais vous montrer. Il pose son seau au Koumé et puis il met son doigt dans l'eau. Et là, il y a un poisson qui mord. Schlac! Il le met dans le seau. Il recommence. Schlac! Deuxième poisson. Et schlac! Troisième poisson. Et schlac! Quatrième poisson. Oh, l'autre à côté. Oh, ben, c'est pas vrai. Ben, comment qu'il fait? Oh, ben, c'est bien la peine que j'ai acheté tout ça aussi cher. Attends, si j'avais su que c'était aussi simple, va m'y mettre, moi. Trempe son doigt dans l'eau, y a rien qui mord. Et l'autre, il continue. Mais monsieur Mathieu, ne laissez pas votre doigt tremper dans l'eau froide comme ça. Cela va vous donner envie de faire pipi. Mais c'est qui se fout de ma gueule, ce qu'on a en plus? Ah, mais non, pas du tout, monsieur Mathieu. Mais je vais vous expliquer.
j'utilise un stratagème. Chaque fois que je vais à la pêche, précédemment, je vais introduire subrepticement mon index dans l'intimité d'une femme blanche. Et ça mord à tous les coups, comme vous avez pu le constater de visu par vous-même. Oh bonjour. Mais j'en ai une de femme blanche, moi. Attends la Sylvette, tu vas voir. Cabale à la plage, il aperçoit Sylvette allongée sur le ventre en train de bronzer. Il arrive derrière tout doucement. Attends, je vais apporter, moi, tu vas voir. Baisse le maillot, vous, et chlac. Et la Sylvette, tu fais. Oh, alors, Rukumé, on va encore à la pêche? Mais vous savez que ça n'a pas été facile pour Mathieu et Sylvette de partir en vacances. Hein? Ah ben non, ils n'avaient personne pour garder la ferme. Et un jour, coup de bol, arrive un campeur suisse. C'est ouin ouin. Ah bonjour monsieur l'agriculteur. Bah dites donc, c'est tip top par ici. Hein? Est-ce qu'un moyen de camper dans vos herbages ou bien? Ah ouais. Et justement que je cherchais quelqu'un pour garder les bestiaux, j'avais qu'à vous installer là-bas. Alors ouin ouin va planter sa tente dans un pré. Mathieu lui fait faire le tour de la ferme, il lui présente tous les animaux. Alors, il discute le bout de gras avec les cochons, il taille des bavettes avec les bœufs, il quinquette un peu avec les poules. Pendant ce temps-là, Sylvette prépare les valises et ils partent tous les deux pour le Sénégal en laissant la garde de la ferme à ouin ouin. Allez, alors voyance! Mais en voyant les deux paysans partir, les animaux crient leur détresse. Mou, 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 mou. Les mamelles. Oh, mais arrêtez de piorner comme ça, Dodjou, Dodjou. Oh, c'est pas possible. Va falloir les égayer un peu, sinon ils vont me faire du mauvais sang. Ça, ça va pas être bon pour le boudin. Hein. Je sais. Allez, les animaux, pour vous changer les idées, on va jouer aux devinettes. Allez. Oui. La vache, viens ici. Amène-toi. Hé, la vache. Comment distingue-t-on une vache folle au milieu d'un troupeau? Moumou. C'est la seule qui a un sac à main et du rouge à lèvres. Les chevaux. Pourquoi les chauves... Pourquoi les chauves mettent-ils du Viagra sur leur tête? Pour avoir une jolie queue de cheval. Les moutons. Les moutons. Beau mouton, hein. Bon. Qu'est-ce qui est vert et qui pousse? L'herbe. Non, un martien gros dipé. Oui, c'est con, je vois ça. Mais c'est ouin ouin. Les poules. Qu'est-ce qu'un oula oula? Ben, c'est un gros oiseau qui a pas de pattes, une énorme paire de roubignoles. Et à chaque fois qu'il essaie de se poser, il fait oula oula. Le canard. Ben, le canard, fais pas cette tête-là, grand bœufio. Ils vont revenir, tes maîtres. Alors ça, le canard, ça le rassure pas du tout. Parce que depuis qu'il s'est aperçu que Mathieu et Sylvette le gavaient pour lui engraisser le foie, il se fait de la bile. Il mange plus rien du tout. Bon, bah dis donc, ça va pas arranger le réveillon de la Saint-Sylvestre, hein, ça. Bon, je l'égaye encore plus que les autres, celui-là. Allez, je vais t'emmener au cinéma. Viens avec moi, le canard, ça te fera bien du bien. Il est bien là. Allez, il le met dans un panier. Et il part à la gare pour prendre le train à Chevignac-Blézeux et aller à la Grand-Ville. Descendre là, ils cherchent le cinéma. C'est qu'ils l'ont mis, leur cinéma. Ah bah voilà, la Grand-Ville Palace. Il entre. La caissière le voit arriver avec son canard dans son panier et fait la gueule. Hein. On dirait Pasqua déguisé en pitbull. Les animaux sont interdits dans cette salle. Ah, justement que je viens pour lui, qu'est-ce que je vais en faire? T'as été laissé chez le marchand d'animaux. Vous ne reprendrez pas la séance, c'est juste à côté. Oh, ben, sont accueillants, ces Français, hein. Fait semblant d'aller chez le marchand d'animaux, mais juste avant, il entre sous un porche, sort le canard du panier, tais-toi, c'est une ruse, le met dans son pantalon, arrête, il fait des chatouillons. Ah non, touche pas à ça, c'est pas une limace.
et il retourne au cinéma. Ça encore moi. Un billet, s'il vous plaît. Ta gueule, toi. L'entre dans la salle, le film est déjà commencé. S'assied à côté d'une dame. Excusez-moi, madame. Discrètement, il ouvre sa braguette. Sort la tête du canard. Tais-toi, toi, nous fais repérer. Oh, arrête. Et regarde le film. Si tu rates le début, tu vas rien comprendre. Et après ça, je serai obligé de t'acheter le livre. Alors le canard regarde le film. Oh, il est content. C'est les aventures du commissaire Magret. Ça a été primé à Cannes. Deux palmes. C'est un bon film, hein. Heureusement, parce qu'un canard qui voit un navet, il se flingue. Enfin, le film prend fin. Alors, ouin ouin, discrètement, remet la tête du canard dans son pantalon. Mais la lumière se rallume au moment où il a encore la main dans la braguette. La dame à côté fait « Oh ! Oh, j'en ai vu dans ma vie, hein ! Des dures, des molles, des paresseuses et des frétillantes. Mais t'es comme la vôtre qui m'a bouffé tout mon pop-corn. Jamais !» Pendant que le canard était au cinéma, eh ben, le petit Nono, 7 ans, entre chez le marchand d'animaux avec une petite tortue. Gling, 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 gling. Bonjour, monsieur. On s'est allé voir parce que ma maman, elle a assez de tortues, c'est vous, ce matin. Oh là là, elle est malade. Elle a la fièvre, regardez, ça va pas du tout. La tortue. Ça va pas terrible, effectivement, mais... Petite tortue, bon, donne-la-moi. Oh la vache, elle est chaude, c'est vrai. Ah, elle est brûlante en dessous. Je vais la remettre dans son aquarium, hein. Je vais t'en donner une autre, tiens. Voilà, prends-en soin, hein. Ah, celle-là, va beaucoup mieux. Merci, monsieur, monsieur. Ding, ding. Et en sortant, le petit Nono croise Salomon Benichou, qui est dans la boutique. Bonjour, monsieur. Bling, bling. Je vous vois parce que je cherche un petit animal de compagnie. Une petite bête originale, vous voyez, mais pas trop chère, hein. Attendez, qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Ah si, j'ai une autruche de Zanzibar qui fait le ménage. Elle est poussette avec ses plumes. Elle passe l'aspirateur avec son grand cou, elle aspire la poussière. Elle va dans tous les coins, hein. Pas besoin de sac à poussière, ah non. Elle va éternuer directement dans la poubelle. Efficace. J'ai aussi un serpent à sonnette qui répond au téléphone, un lapin qui prend les rendez-vous, mal, mais il les prend, et j'ai aussi un poisson aussi et un requin marteau qui bricole. Ah, c'est intéressant, ça. Et combien ça coûte, ça? Bon, c'est entre 15 000 et 30 000 francs. Aïe, aïe, aïe! Mais c'est trop cher. Moi, je pensais pas mettre plus de 2 000 francs. Vous avez rien pour ça? Oh, ben, c'est pas grand-chose, hein. Ah, si. Si j'ai à 1800 francs, j'ai une grenouille nymphomane qui fait des gâteries. Une grenouille nymphomane qui fait des gâteries? Oui, elle s'appelle Monica. Je la présente, elle est dans l'aquarium avec les tortues. Ah non, Monica, laisse cette tortue tranquille. Ah, je vous ai dit, elle est terrible. Allez, tu vas aller avec les messieurs. Ah oui, j'achète, d'accord. Alors, il paye. On met la petite grenouille dans une petite boîte. Et puis Salomon s'en va avec sa grenouille. En sortant, il croise le petit Nono qui revient avec sa tortue. Bling, bling. Monsieur, monsieur, c'est encore moi, c'est elle est encore malade, cette tortue. Regardez, oh là là, ça va pas du tout la tête. Pire que l'autre, celle-là. Oh, ben mince alors. Ah, merde, elle est encore brûlante aussi, celle-là. Oh, c'est pas vrai. Je t'en donne une troisième, mais alors celle-là, tu en prends vraiment soin, parce que c'est la dernière, j'en ai plus après. Bon, monsieur, merci, monsieur. Le marchand se méfie quand même. Et qu'est-ce que c'est que toutes ces tortues malades? Ça me paraît bizarre, ça. Il suit le petit Nono à distance. Qu'est-ce qu'il me fabrique avec mes tortues? Et il le voit à 50 mètres de là, qui s'accroupit avec la tortue sur le trottoir, et qui fait... Pendant ce temps-là, Salomon Benichou rentre chez lui. Avec sa grenouille. Sa femme Rebecca l'accueille. Bonsoir, mon chéri, comment tu vas? T'as passé une bonne journée?
Qu'est-ce que tu m'as rapporté? C'est pour moi, ce qu'il y a dans cette petite boîte? Non, non, c'est pas pour toi. C'est une petite grenouille. Ne t'occupe pas, excuse-moi, ma chérie. Et Salomon entre dans la salle de bain où il s'enferme, chling, chling, avec son batracien. 15 minutes se passent. Pas de nouvelles de Salomon. Rebecca est inquiète. Va frapper à la porte. Bam, bam, bam. Salomon! Quoi? Quoi, quoi? Tais-toi, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tout va bien, Salomon? Oui, oui, ça va, me dérange pas. Il n'a jamais vu comme ça son Salomon. Et tout d'un coup, il sort de la salle de bain avec sa grenouille sur l'épaule. Il va dans la cuisine, pardon, ma chérie. Il prend le livre Les recettes cachères, pas chères du rabbin Marie. Et il y a haute voix la recette des haricots Macias. Rebecca déteste que son mari lui fasse des cachotteries. Elle aussi est dans la cuisine. Salomon, tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Dis, tu vois cette grenouille? Si j'arrive à lui apprendre à faire la cuisine, toi, Rebecca, tu retournes chez ta mère. Alors, un qui mange pas cachère du tout, c'est Raoul le dégueulasse. Oh, ça, Raoul, non, mais regardez la carte qu'il m'a envoyée. Magnifique, hein, comme ça. Vous allez voir le verso. Ça, c'est pas cachère. Ah non, 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 ça, sûr. Il y a tout là-dedans. Il y a du manger avec. Il doit y avoir de la choucroute au pastis, ça, c'est sûr. Ah, là, il doit y avoir de la sardine à l'huile au chocolat. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, il mange ça, oui, il est immonde. Bon. Alors, lui, il est allé dans le midi avec sa femme, Rosa. L'énorme, la colossale Rosa. Pour ceux qui la connaissent pas, Rosa, c'est 250 kilos de cellulite. Quand elle est en maillot de bain, allongée sur le sable, on dirait un peu une partouze de méduse. L'autre jour, elle s'est endormie sur la plage. Il y a des momies, ils en ont profité, lui ont tagué Moby Dick sur la fesse droite. Et depuis, elle peut plus aller nager sans se faire escorter par un bateau de Greenpeace. Alors Raoul, lui, il va bronzer de l'intérieur au bar de la plage. Là, il s'est fait un copain. C'est un petit chien qui appartient à personne, qui est gros comme ça, bras sur pattes, plein de poils avec des grandes oreilles. On dirait un peu le croisement entre une saucisse de Francfort et un balai au cédar. Et chaque fois que Raoul vient boire un coup, il s'assied, comme ça, puis il attend pour avoir un sucre, que Raoul ait fini de causer avec Horace, le patron. Hey, salut Horace. Cachère-moi un jaune, s'il te plaît. Un pastaga, voilà Raoul. T'es. Dis donc, comment il s'appelle ton chien? Ah, c'est pas mon chien. Alors je vois pas pourquoi je lui donnerais un nom. C'est comme ce matin, je rencontre un mec, il a un chien sans pattes. On dit, oh, petit chien sans pattes, ben comment tu s'appelles? Elle me dit, il a pas de nom. Ben, j'ai dit, pourquoi? Il dit, ça lui sert à rien d'avoir un nom, quand on l'appelle, il peut pas venir. Oui, une seconde, je cause. J'ai l'impression qu'il a faim, ton chien. Ah ben, y'a pas que lui. Moi aussi, je mangerai bien un petit morceau. Qu'est-ce que t'as avec tes? Mais j'ai des hamburgers. Hamburger, ouais. Bon, ça te va, hamburger? Je veux savoir ce qu'il y a dedans. Ça dépend. J'ai le hamburger dijonnaise avec la moutarde, le hamburger parisien avec la mayonnaise, le hamburger américain avec le ketchup et le hamburger guitare. Hamburger guitare, c'est quoi ça? Je vais pas te l'expliquer, je vais te le faire devant toi. Horace prend le pain, met le steak haché, les oignons, les tomates, la salade, plein de moutarde, plein de mayonnaise, plein de ketchup. Remets l'autre morceau de pain, et voilà. Oh, dis donc, ça a l'air appétissant. Hein. C'est pas pour vous autres. Merci. Il mord dedans. Plaf, toute la sauce sur le t-shirt. Oh, c'est ça ton burger guitare. Oh, le chien en dessous, il n'en perd pas de miettes, dis donc. Il a qu'à ouvrir la gueule, ça tombe direct dedans.
Oh, Raoul, tu peux pas lui apprendre à manger proprement, ton chien, hein, ça. Il m'en met partout. On peut pas tout lui apprendre en même temps, hein. Vous êtes bien en train de lui apprendre à voler. Comment? Tu apprends ton chien à voler dans les magasins? Mais non, oh, à voler comme un oiseau. Comment ça, voler comme un oiseau? Mais ça vole pas, un chien, comment il fait? Ben, avec ses oreilles, il fait flap, 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 flap. Je vais te montrer, tu vas voir. Viens, le chien. Ah, ah, oui, oui, oui. On va montrer à Horace comment tu voles. Allez, amène-toi. Et Raoul emmène Horace au phare du port qui est à 50 mètres de là. Alors, il monte l'escalier en col maçon, jusqu'en haut, jusqu'à la lanterne. Arrivé là, il ouvre la porte. Il sort rien avant. Pose le chien sur le bord du parapet. Le vent dans les oreilles du chien. Ah, c'est pratique pour voler, ça, tiens. Regarde bien, tu vas voir. Allez, le chien, hop, envole-toi. Envole-toi, je te dis, allez, hop. Arrête, Raoul. Un chien, ça, c'est pas volé, voyons. Ah, si, si, si. Ah, lui, tu vas voir, tiens, regarde. Il attrape le chien, il le jette dans le vide. Zon. Trente mètres plus bas dans l'eau du port. Pouf. Mais tu es fou, enfin! Tu vois bien qu'il sait pas voler! Ah si, voler il sait! C'est obéir qu'il sait pas! J'ai des cartes postales beaucoup plus propres quand même. Comme celle-là. Regardez, très belle. Désert du Nevada. Ça, ça sent l'ordre et la discipline. Je vous la lis. Vous allez peut-être deviner le nom de l'expéditeur. J'ai emmené le soldat Rambo et quelques petits salopards en randonnée équestre à travers le désert du Nevada. Alors au bout de 5 jours, toute la troupe bivouaque au milieu du désert. D'un coup, Rambo se met à gueuler. Colonel! Colonel! Qu'est-ce qu'il y a, vos gros petits salopards? Ouais, colonel, regardez votre cheval. Ouais, il fait une drôle de gueule, ouais. Mais qu'est-ce qu'il a, ce beau corps de petit salopard de canasson? Effectivement, le cheval, il a une tronche. Et la tête qui pend entre les genoux, comme ça. Et les yeux qui tournent. Oh, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Faut trouver tout de suite un vétérinaire. Ouais, justement, colonel. J'en connais un dans une tribu indienne de Navarro qui sont à 20 km de là. Mais enfin, mais Navarro... C'est pas un vétérinaire, c'est un commissaire. Non, mais colonel, là, ils ont un sorcier indien qui peut très bien guérir votre cheval. Ouais. Très bien, on a qu'à y envoyer un volontaire. Oh, mon colonel, un volontaire. Mais qui d'entre nous voudrait traverser ce désert hostile? Peuplé de scorpions, de crotales et de mygales. Personne, non, 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 non. Très bien. Eh ben, nous allons le désigner par tirage au sort, ce volontaire. Allez hop, rassemblement. Et sera désigné comme volontaire celui qui a la plus petite zibounette. C'est de l'humour militaire, c'est très fin. Galoum. Galoum. Attention, pantalon baissé. Exécution. Bon, voyons ça. Ça va, celui-là il a tout le matos, la mitrailleuse et les deux grenades. Non mais dis donc toi, si tu crois que j'ai pas vu que t'as mis un polochon dans ton slip, c'est pas un polochon. C'est du vrai. C'est pas un slip qu'il lui faut, c'est une brouette. Bon. À nous. Oh, 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 oh. Soldat Rambo, tu es volontaire. Oh non, mon colonel, c'est toujours moi qui m'y colle, j'en ai marre à la fin. C'est pas ma faute si t'es monté comme un ouistiti. Oh, colonel. Alors Rambo saute sur son cheval, et il part au triple galop à travers le désert, à la recherche de la tribu indienne. Il a la peur au ventre. Il guette derrière le moindre rocher, le moindre cactus, l'immonde bestiole qui pourrait lui sauter dessus. J'ai peur. Alors, il chante une vieille chanson française que lui avait appris sa maman. Un gros corps noir et des pattes pleines de poils entourées d'une toile mégale. Soudain, son cheval se cadre.
et Rambo est jeté à terre. Dans la poussière, les bras en croix. Il se trouve, nez à nez, avec une immonde mygale noire et gluante comme un crabe tourteau dans une marée noire. Oh, ramasse un caillou et s'apprête à l'abattre sur la tête de l'immonde arachnide. Mais les six yeux suppliants de la mygale. Oui, ça a six yeux, une mygale. Ah, si, si, regardez bien, vous verrez, hein. Je ne dis pas, quand elle a une conjonctivite, ce que ça lui coûte en ostalmo. Hein. Les six yeux suppliants de la mygale l'arrêtent. Je ne peux pas faire ça. Clown. Et aussitôt, la mygale se transforme en une jolie fée. Pouf. Bien la fée, hein. La grosse fée chauve, bon, mais... Bonjour, mon soldat. Oh, tu m'as épargné, fais aveu et je l'exaucerai. Ouais, bonne fée, c'est super. Et... Oh, je suis content de vous rencontrer, parce que, alors, justement, ben, le colonel fait toujours le même tirage au sort. Et à chaque fois, c'est moi qui m'y colle, parce que je... J'ai une toute petite... Toute petite zibounette. Ouais. Ah bah oui, ah bah évidemment. Bah tiens, justement, bonne fée. Voilà, moi, je voudrais avoir un sexe comme celui de mon cheval. Très bien, mon soldat, comme tu voudras. Pouf, pouf, là. Et voilà Rambo transformé en trépied. Avec son béret rouge sur la tête, on dirait un tabouret de bar. Ouais, c'est super, merci, bonne fée. Ouais. Sur son cheval, hop. Oh, j'ai pas l'habitude. Il repart au triple galop à la recherche des Indiens. Quelques heures plus tard, il est de retour au bivouac avec le sorcier Navarro qui commence tout de suite une danse Navarro de guérison du cheval. Ça, c'est la danse Navarro. À ne pas confondre avec la danse Shirakawa. Écoutez. De magie pour guérir la fièvre de Monsieur Seguin. Ouais, colonel, colonel. Ouais, colonel, je ne serai plus jamais tiré au sort. Regardez. Tout le monde. Wow. On recommence. Tout le monde. Vous avez vu, colonel? Oh, beaucoup de petits salopards. D'où c'est que t'as vu ça? Bah, j'ai rencontré une mygale. Elle s'est transformée en fée, pouf. Et voilà, je lui ai demandé un sexe comme celui de mon cheval. Et voilà. Quand je vois ça, beaucoup de petits salopards. J'en veux un pareil. Comme celle de mon cheval. Oh non, 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 il est malade. Bon, comment celle d'un autre? Alors on scelle un autre cheval au colonel qui part au triple galop à la recherche de l'araignée. Pendant ce temps, le sorcier indien commence la guérison du cheval du colonel. Oh! Moi, guérir cheval colonel avec remède de squaw. Moi, lui souffler dans le derrière avec un grand tuyau. Moi, Rambo, tenir tête cheval et me dire quand lui l'a relevé et les yeux arrêtés de tourner. Ouais, ouais. Vas-y, je le tiens bien. L'un tient pas derrière, prend son tuyau, met un des bouts du tuyau dans le boomba du cheval et souffle. Oh, le cheval. Ouais, c'est bon, vas-y, continue comme ça, il est guéri, tu tiens le bon bout. Mais l'Indien, faut bien qu'il respire. Et le cheval. Oh ben non, t'as pas soufflé assez fort, oh, c'est pas vrai. C'est pas des poumons, t'as, c'est des éponges. Allez, passe-moi ça. Ah, si toi vouloir essayer, toi y aller, hein. Mais moi, te prévenir, toi faire attention. Bien souffler, hein, pas aspirer. Moi prêt, toi y aller. Ouais. Rambo retire le tuyau du Vumba du cheval. Ch'toum. Mets l'autre côté du tuyau dans le Vumba du cheval. Et toi pas aller bien? Pourquoi toi changer sans ce tuyau? Bah, tu crois quand même pas que je vais mettre ma bouche où t'as mis la tienne? À ce moment-là, retour du colonel. Yeah.
Alors, colonel, vous avez trouvé la fée Migale ? Vous lui avez demandé de vous donner un sexe comme celui de votre cheval ? Oui, je voudrais connaître le salopard qui m'a scellé une jument. Allô, inquisition, j'ai bien fait de pas partir en vacances à cheval. En voiture aussi, il peut arriver des aventures, hein. Comme celle qui est arrivée à Gérard, qui partait rejoindre sa famille dans le midi, après un bon repas bien arrosé avec ses copains. Prends le volant. Et tout d'un coup, sur le bord de la route, il voit un petit nain, haut comme ça, tout habillé en vert, qui fait du stop. C'est un petit nain vert qui fait du stop. Moi, je savais pas le laisser au bord de la route. Si jamais il pleut, il va germer. Allez, je vais le prendre. Au plus, ça me fera jamais qu'un petit verre de plus. Vous allez où comme ça? Allez, je vais dans le midi. Dans le midi? Sur la côte? Du Rhône? Ouais, montez. Vous en menacez là aussi. Merci. La route. Dis donc, tu veux pas que je te bête? Tu veux dire quoi, ça, votre petite zagrette? Hey, tu veux pas que je te fasse une petite turlute? Ils sont ma voiture, espèce de non-ligance! C'est alors, le nain qui va faire une tourtelute. Tout d'un coup, il voit un petit nain tout habillé en rouge qui fait... Bon, il est pas vert, c'est... C'est dans le midi, vous aussi? Oui, il est dans le midi. Ben, vas-y, montez. Merci. Et c'est parti. Je ne veux pas t'arrêter, puis tu me... Ça y est, quoi? Oui, mais tu t'arrêtes et puis tu me prends en levrette, hein? Sors la voiture tout de suite, toi aussi. Mais qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est, nain lubrique, alors? Un qui veut que j'y fasse une trutulute et l'autre qui veut me prendre à la fravrotte. Tout d'un coup, il voit un petit nain tout habillé en bleu, il fait... Attends, le nain bleu, tu vas voir. Attends, tu as payé pour l'essence. Hé, le nain bleu, j'espère que t'es souple, parce que t'as la revrette et t'as trutulitude, tu te les feras tout seul. Donnez-moi les papiers du véhicule. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous l'avez coupé plusieurs fois, la ligne blanche continue. Elle continue, la ligne blanche? Ah ben oui, continue, dis donc. Ah ça, là, c'est fou. C'est incroyable, hein? C'est de l'intérieur de la voiture, je vous jure, à l'avant, pointillé. Ah, je sais pourquoi je l'ai vu en boitillé. C'est parce que j'ai coupé plusieurs fois. Bon, alors, ça vient, c'est papier du véhicule, oui?
Voilà, voilà, voilà. Ben, attendez. Avant, on va faire un pari. Et si je le gagne, je ne vous montre pas les papiers des vésicules. C'est un pari. Je vous parie, monsieur le gendarme, que j'arrive à me mordre l'œil droit. Ça m'étonnerait, hein. Allez, pari tenu. Eh ben, regardez. Retire son œil de verre. Il le mord. Il le remet en place. Et voilà, au revoir, monsieur le gendarme. Bon, les papiers, d'accord. Maintenant, montrez-moi votre permis de conduire. Oh, là. Il est rusé. Bon, d'accord, mais avant, on va faire un pari. Et si je le gagne, je ne vous montre pas mon permis de conduire. Hein? Alors, je vous parie que j'arrive à me mordre l'œil gauche. Oh, ça, c'est pas possible. Pari tenu. Eh ben, regardez. Il retire son dentier. Oh. Et voilà. Au revoir, monsieur et gendarme. Ah, ça suffit comme ça. Vous êtes ivre mort. Vous avez soufflé dans le ballon. Oh là 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 là. J'ai soufflé dans le ballon, dans l'état que je suis. Ça va être joli, ça. Si je rate l'embouchure, j'ai directement soufflé dans le gendarme, alors. Bon, mais d'accord, j'avais soufflé dans un ballon. Mais avant, on va faire un dernier pari. Je vais vous parier que je monte sur la toile de ma voiture, je vous fais pipi dessus et vous êtes même pas mouillé. Hein? Oh! Ça, je voudrais bien voir, alors. Pari tenu. Eh ben, vous allez voir. Il monte sur le capot. Il monte sur le toit de la voiture. D'où sa braguette. Il fait pipi sur le gendarme. Il arrose des pieds à la tête. Oh, mais enfin, vous êtes dégueulasse. Je suis trempé. Ah ben, et on peut pas gagner à tous les coups. Vous êtes venus en voiture tous ce soir? Levez la main ceux qui sont venus en voiture. Levez la main à ceux qui sont venus en voiture. On vous voit bien. Vous n'êtes pas venu en voiture, vous? À moitié. À moitié en voiture, à moitié dehors. Oui. Qui c'est qui a bu un coup dans tous ceux qui ont venu en voiture? Il y avait un petit verre, juste un petit comme ça. Là-bas, là devant, il n'y a personne. Tu parles. Oh bah tiens, vous. Vous avez soufflé sur le ballon. Vous avez une bonne bouille, vous, comme moi. Vous avez une bonne bouille, vous êtes bons. On est des bons vivants de qualité. Soufflez. Attention, si c'est vert, mon petit truc, là, vous restez dormir ici, hein, si c'est vert. Le feu de trompette, c'est pas un oreiller de plage. Attention, hein. Alors, attention. On va le... Chef, j'en ai trouvé un, il a 3,8 grammes dans le sang. 3,8 grammes? Oui. Il est des nôtres. Oh, c'est un peu vert, hein. Oh, je vous prête ma chaise longue. Non, j'avais truqué avant, c'est pas vrai. Allez, on l'applaudit, s'il vous plaît. Voilà. On vous le donne. Je serai un petit autographe à la fin. Vous m'attendrez dans le hall. Après le pestac. Non, mais roulez doucement quand même, hein, ce soir, hein, parce que... On se l'a dit, on peut pas vraiment rouler vite dans Paris en ce moment. C'est bourré de monde, vous avez vu ça? Ouais. C'est pourquoi? C'est bourré de cars de touristes. Il y en a partout. Et ici, à Pigalle, il y a un nid. Ils prennent leur temps, ils se promènent et visitent. Toi, t'es derrière. Tu vas y en retard au théâtre. Ah, là. Et tout d'un coup, ils s'arrêtent. Attention, ils s'arrêtent pas n'importe où. Hein. Ça va être pile au milieu de la rue. Les portes s'ouvrent. Et t'as le troupeau de touristes qui descend. Eh, regarde, Et tout d'un coup, le troupeau se sépare en deux. D'un côté, il y a les femelles qui vont s'acheter des trucs affriolants dans les boutiques. Et de l'autre, les mâles qui vont faire chauffer la turbine en allant voir Glita faire un striptease au sexodrome. Tadange.
Ah, faut avoir vu ça une fois dans sa vie, hein. Ah, parce que Glitta, déjà, quand elle est dans sa mini jupe en sky rose boudinée comme ça, elle ressemble à un porcelet sous blister. Mais dès qu'elle se met à danser en se déshabillant, alors ça, on dirait la naissance d'une grosse larve de hanneton. Dans la salle, les touristes, ils rigolent. Eh, dis donc, chef, t'as vu ça un peu, la tête qu'elle a à la contre, hein? Elle est laide, elle est vilaine, c'est pas possible. Elle a pas de sourcils, hein? Hé, la grosse! Hé, tes sourcils, tu te les écramés en allumant une clope sur une gazinière, hein? Non, ah, ils sont pas cramés, ils sont épilés. Slack, vous, là. Vous, la belle et moi. Les poils sous les bras, ils sont épilés aussi, hein? Non, ils sont rasés. Voilà. Hey, et ceux-là, ils sont rasés ou épilés? Non, ils sont usés. Troupeau retourne dans le car à la fin du spectacle. Eh, hey, dis donc, Jeff, qu'est-ce que t'as acheté ta femme? Oh, si elle est pas stupide, celle-là, vraiment, hein? Elle a acheté des cartes postales. Oh, mais on a personne à qui écrire, hein? Et toi, la tienne, qu'est-ce qu'elle a acheté? Oh, elle est encore plus stupide que la tienne. Elle a acheté un soutien-gorge en dentelle noire et rouge. Elle a rien à mettre dedans. Et toi, Albert, elle est pas venue avec ta femme? Non, elle est pas venue avec. Elle est partie toute seule en croisière. Mais elle est encore plus stupide que le vôtre, parce qu'elle, elle est partie avec une valise bourrée de préservatifs. Elle a même pas de pénis. Mais bon, on rigole, mais vous savez, qu'il soit italien, hollandais, anglais, belge, tout ce que vous voulez, le touriste, c'est le touriste. Faut se le faire. T'as qu'à demander au guide, tiens. Demander au gardien des musées. Et demandez au chauffeur de car si c'est amusant, si c'est agréable pour la tournée des caves de Bourgogne d'entendre le curé de Camaret beuglé par 150 japonais bourrés. Ah, c'est terrible, hein? Mais ne croyez pas que le touriste français soit différent. Ah non, pas du tout. C'est pareil. Il n'y a qu'à demander au gardien-chef du zoo d'Anvers. L'autre jour, il reçoit un autocar entier de touristes français qui n'ont pas eu le temps de déjeuner, sont achetés des abricots, et ils les mangent en se baladant dans les allées du parc zoologique. C'est magnifique, d'ailleurs. Ils passent devant des tas d'animaux, des girafes. Des hippopotames. Des otaries. Et il y en a deux qui passent devant la fosse aux gorilles. Le singe, il est là, au fond, il s'emmerde. Et Didi, et je vais... T'as les gueules, ça, j'ai les gueules, hein. Et t'es bien gueule, et j'ai que l'abricot. Oh, putain, t'es con, toi. T'es con, ça, j'ai... Oh, ça, c'est l'abricot. L'abricot roule, le singe se lève. Le ramasse. Il ouvre l'abricot en deux. Sort le noyau. Se le met dans le trophignon. Ressort le noyau, le remet dans l'abricot, il l'avale. Oh. Ouais, bizarre ça, putain. Ouais, non, il est con. Oh, t'es con, c'est toi. Toi, j'ai pas le gardien. Oh, gardien, venez voir ça, putain, con. Qu'est-ce qui se passe ici, une fois, hein? Oh, vous êtes français. Ça s'entend. Qu'est-ce qu'il a, mon singe? Oh, putain, con, le singe. T'as regardé. Jette l'abricot. Le singe.
Je l'ouvre en deux. Noyau, trop mignon. Ressort le noyau, le remet dans l'abricot, il l'avale. Zévi, il est bizarre, hein. T'es n'est pas bizarre, il est con. Il est ni bizarre, ni con, monsieur. Figurez-vous qu'hier, un de vos compatriotes, un imbécile de touriste français, lui a acheté un avocat. Pas un magistrat, un fruit, hein. Le singe a avalé l'avocat tout entier. Le noyau est resté coincé à l'intérieur. Alors dites maintenant, il se méfie, hein, il le sait avant. Ah bon, ça fait bon ici, hein. Voilà, on se croyait dans le souk à Casablanca. Non mais Casa, c'est bien parce qu'au moins, ils vendent des éventails dans le souk. D'ailleurs, Josette en a fait la cruelle expérience. Un jour, elle se baladait dans le souk de Casablanca. C'est une chaleur d'enfer. Oh, fait chaud ici, dans ce souk. C'est beau, mais fait chaud. Parce que bien sûr, je suis enrhumé tout le long de l'année, alors quand il fait chaud, c'est très désagréable. Ah bah tiens, il y a un marchand d'éventail. Effectivement, il y a un marchand derrière son étalage, il y a plein d'éventails. Approchez. J'en ai des jolis éventails, s'il vous plaît. Regardez, qu'est-ce que c'est beau ça. C'est l'air conditionné à la main. Les protégés, c'est pas cher. Approchez. Oh bah ça c'est bien, on vient d'acheter, hein, tiens. Ah bonjour monsieur, je voudrais un éventail, s'il vous plaît. Ah bonjour madame. Non, j'ai des bras d'abat-jour dans les batailles. J'ai pas dit abat-jour, j'ai dit abat-jour, madame. Excusez-moi, j'ai rien compris, abat-jour. C'est quand même plus facile de s'éventer avec un éventail qu'avec un abat-jour. Qu'est-ce que vous avez comme éventail? J'ai des plats, j'ai les choix. J'ai les bons éventails à 150 dirhams. Les jolis éventails à 50 dirhams. Et les éventails un petit peu moins jolis, mais les jolis quand même à 5 dirhams. Qu'est-ce que tu as voulu? Ah bah, je vais pas m'embêter à dépenser 150 dirhams, mettre 50 dirhams pour un éventail. Hein, non, enfin, exagérez, moi. Je vais acheter celui à 5 dirhams. Et voilà, tu donnes le pognon, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu veux? Celui à 5 dirhams, je te vends un petit paquet cadeau. Non, merci, c'est pour éventer tout de suite. Voilà, je te donne. Allez, bonne éventation. Merci beaucoup. Par avec son éventail, il s'évente. Et l'éventail brèche. Mille morceaux, dis donc. Quoi, je me suis fait avoir. Attends, tu vas voir, je vais lui rapporter sa saloperie. Ça va fumer. Dites-donc, qu'est-ce que c'est que cette camelote? Qu'est-ce que vous en avez fait avec mon éventail? Il est tout cassé maintenant. Pourquoi vous l'avez cassé? Bah, j'ai pas cassé, j'ai cassé tout seul. Je me suis éventé comme ça. Ah, il s'est cassé. Ah, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut s'en servir. C'est comme ça qu'il faut faire avec les grands éventails à 150 ou celui à 50 dirhams. Avec celui-là à 5 dirhams, c'est la tête qu'il faut bouger. Mais des fois, quand on est en vacances, on se fait avoir, hein. Alors, il y en a qui sont tout le temps en vacances. Mais tout le long de l'année, c'est les députés européens. Ah bah oui, parce que l'Europe, c'est pas un pays qui existe vraiment encore, quoi. C'est un pays impalpable. C'est tellement impalpable comme pays que l'élection des députés européens, elle s'est pas faite à une majorité de voix, elle s'est faite à une majorité d'abstention. Impalpable. Alors depuis, bah, ils sont payés en euros. Une monnaie, pour l'instant, impalpable, pour laquelle ils fournissent un travail. Voilà pourquoi le député européen est toujours en... vacances. Mais comme il veut pas que ça se sache, il dit qu'il est en... vacances. Mission. J'en connais en ce moment, il est en mission d'études en Corse. C'est dire s'il a la tête près du bonnet, quand même. Drôle dans sa voiture de fonction magnifique, sur les petites routes de Corse. Oh, j'adore la Corse.
Oui, ils parlent tous comme ça, les députés européens. Oh, on ne sait pas sur qui ils ont pris modèle. Mais bon, ils parlent comme ça. Et tout d'un coup, mon député européen, il aperçoit un berger, assis à l'ombre d'un olivier centenaire, en train de garder son troupeau de moutons. Il s'arrête. Descend. Bonjour, monsieur. Adieu. Bonjour, les moutons. Bah, 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 bah. Vous savez que vous êtes très jolis, vos moutons. Hein. Je suis capable de vous en dire le nombre très exact en moins de 30 secondes. Ah, c'est pas possible. Ils sont trop nombreux. Vous y arriverez jamais en moins de 30 secondes. Et si j'y arrive, vous me donnez un petit agneau, ben. Ah oui, je veux bien, mais je vous dis, vous n'y arriverez pas. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Top chrono. Il sort une petite calculette, très compliquée, avec plein de boutons. Excusez-moi. Il a mesuré la hauteur de l'herbe. Calcule le nombre de bas à la seconde. Un quart. Bon. La vitesse du vol des mouches. Passe les barbelés. Oh, j'ai pas dit bien. Va palper les mamelles des brebis. Excusez-moi, madame. Top chrono, 18 secondes. Il y a exactement 247 bêtes. Aïe, c'est exactement ça. Oh, je savais que je gagnerais. Oh, je peux choisir un petit agneau. Ah oui, allez-y. Oh, viens ici, petit agneau. Ah, excusez-moi, mesdames. Bon, celui-là ira très bien. Hop, flamme, je le mets sur les épaules, repasse les barbelés. Oh, je me suis fait une à l'aller, l'autre au retour, dis donc. Va ouvrir son coffre, range la bestiole dedans. Flamme. Il va pour repartir. Bien, je lui fais. Attendez. Si j'arrive à vous dire très exactement le métier que vous faites en moins de 30 secondes, vous me rendez la bête que vous m'avez prise. Je suis d'accord, mais vous ne trouverez jamais, c'est beaucoup trop spécial, c'est beaucoup trop pointu. Vous êtes un député européen, chargé de mission à l'agriculture, et plus particulièrement spécialisé dans l'élevage des moutons. Oh, c'est exactement ça, mais comment vous avez fait pour deviner? Parce que la bête que vous m'avez prise, c'est mon chien. Quand je pense aux bergers et aux moutons, je pense à la principale question que se posent certaines familles qui partent en vacances, qui n'est pas « Comment qu'on va faire pour éviter les embouteillages ?» Ou alors « Comment qu'on va faire pour vivre pendant un mois avec ce que nous ont laissé les impôts sans ressembler à des réfugiés kosovars ?» Mais qui va garder les mômes ? Ah bah oui, il n'y a plus d'école. Et sur la plage, il n'y a pas la télé. Heureusement, il y a les animateurs de vacances. Alors ça, c'est des gens, ils sont punis. Ils doivent réaliser tous les jours la même recette. Pendant que les parents se font revenir l'oignon à l'huile de coin à 10-20, ils se tartinent les lardons. Tous les matins, on leur livre 12 tonnes de mots mal réveillés qui n'ont qu'un seul but dans la vie, faire chier le monde. Ah ben, c'est normal qu'ils aient envie de faire chier le monde. Ils se vengent. À la fin de l'école, ils croyaient qu'ils allaient retrouver la tendresse de leurs parents qui les ont conçus dans l'amour et dans le partage. Erreur! Ils ont échappé au sort du chien, abandonné lâchement sur une aire de repos de l'autoroute, ligoté avec la grand-mère à la chasse d'eau des WC. Ils n'échapperont pas à l'animateur de plage. Bonjour les enfants, coucou, je m'appelle Marie. C'est moi qui vais jouer avec vous pendant toutes les vacances. Mais avant de jouer, nous allons faire connaissance. Toi, mon petit garçon, comment tu t'appelles? Je m'appelle Julien. Arrête, mon petit Julien. Pour qu'est-ce qu'il fait, ton papa? Mon papa, il est boulanger. Boulanger, pâtissier, à quel joli métier. Arrête de passer les miches de ta voisine, s'il te plaît. Qui s'appelle? Sandrine, arrête! Arrête! Calme-toi, ma petite Sandrine. Bien. Qu'est-ce qu'il fait, ton papa? Mon papa, il est peu.
policier. Ah, c'est un joli métier aussi. Bon, va laver tes menottes, s'il te plaît. Et toi, mon grand garçon? Moi, je m'appelle Félix. Félix, bien. Qu'est-ce qu'il fait, ton papa? Mon papa, il est mort. Oh, je suis désolé, mon petit Félix. Je savais pas. Excuse-moi. Je suis désolé. Mais qu'est-ce qu'il faisait avant de mourir? Il faisait... Faire marrer les mômes après un truc comme ça. Bon, allez les enfants, nous allons jouer à Zaccadie. Madame, on peut pas jouer à Zaccadie, parce que Zézette et son frère Nono, ils sont pas là. Où sont-ils, Zézette et son frère Nono? Nous allons les retrouver. Ah, mais je sais où ils sont. Ils s'amusent, ils sont dans les cabinets, tous les deux. Ils sont dans les cabinets, ils s'amusent. Qu'est-ce qu'ils font dans les cabinets, tous les deux? Marie, cours vite aux toilettes de la plage. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? C'est pas vrai. Elle écoute derrière la porte des vestiaires. Il entend. Ouvre la porte. Ah! Et voilà les deux mômes qui sont là. Et la petite fille, elle est allongée sur le dos, elle a relevé sa petite jupette. Et le petit nono est en train de lui mettre un radis dans la foufounette. Et avec son petit peton, il appuie sur le petit bedon et le radis. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Ah ben madame, on est en train de s'amuser. On s'amuse à lancer des radis. Enfin, ça va pas Nono, mais pas des radis dans la fenêtre de sa petite sœur, voyons. Ah si, c'est rigolo. Des fois même on joue avec mémé aussi. Ça la fait beaucoup rire. Enfin les enfants, vous allez pas me dire que vous jouez, c'est pas vrai, vous jouez pas avec votre grand-mère à lancer des radis. Ah si, mais avec elle, on prend pas des radis. On prend des betteraves. Ah, enfin, pour ceux qui ont des enfants sages, et qui les aiment, et puis qui le leur rendent bien, puis qui les emmènent au théâtre, qui s'en occupent, c'est bien, ça, j'en ai vu ce soir. J'ai un endroit super pour aller en vacances, si vous allez. Si vous ne savez pas où aller en vacances, c'est ça, fais-moi les burnettes. Écoutez ça. Vacances en fait à Saint-Fais-moi-les-Burnettes. C'est un endroit formidable. Ils ont de tout. Écoutez, ils ont un camping, ils ont un hôtel, l'hôtel des Trois Marmottes, une rue commerçante, une plage et un golf. Formidable. C'est là que tous les ans, Charles-Hubert Duglésy-Varchemeleux vient passer ses vacances avec sa femme Marie-Hélène. Ils descendent à l'hôtel des Trois Marmottes parce que Charles-Hubert est un passionné, que dis-je, un obsédé de golf. Quand on lui dit golf, il remue la queue. Aux grandes dames de Marie-Hélène, évidemment, qu'il délaisse pour sa babale chérie. Et justement, ce matin-là, à l'hôtel des Trois Marmottes, Marie-Hélène s'est levée avec une petite envie de tac-tac, après un bon dodo et avant le miam-miam. Mais Charles Hubert s'est levé bien plus tôt parce qu'il a eu, lui, une forte envie de babale. Alors il a rempli son grand sac, bourré, ras la gueule de tout un bazar en ferraille qui fait un boucan d'enfer chaque fois qu'il bouge. Je serai dans les collines, je serai dans les collines, je serai dans les collines. Oh, j'ai, au revoir. Et on est avec Gautran et Henri au golf de Saint-Fais-moi. Ils ont ouvert 18 trous aujourd'hui, je ne rentrerai pas tard. Oh, 18 trous. Évidemment, l'amateur de golf préfère le golf au tac-tac. Parce qu'au golf, il y a quand même beaucoup plus de trous. Oh, chérie, bon gros, il s'en va. Et Marie-Hélène passe sa journée en rêvant que le soir, Charles Hubert va lui interpréter la symphonie en rut majeur au prépuce 69 de Gabriel Fauré. Mais l'heure du miam-miam du soir arrive. Pas de Charles Hubert. Faut attendre l'heure du dodo pour que la porte s'ouvre sur le golfeur tant attendu. Alors, tu peux m'expliquer ce retard? Ah ben, j'ai ri. C'est pas du tout ce que tu crois. Nous avons eu un accident. Un accident? Mon Dieu, mais tu n'as rien. Moi, non. Mais c'est Henri. Oh, c'est effroyable, tu peux pas savoir. Dès le départ du trou numéro 1, nous apercevons le green au bout du fairway.
qui passe au milieu des roughs. Et je me dis, tiens, si j'arrive à éviter le bunker, je ferai hole in one, et à la fin du parcours, je serai bug. Alors Gautran met sa balle sur son tee, et sans attendre quand il s'écarte, il drive avec un fer 3 alors qu'il aurait fallu en moins 2. Évidemment, comme il joue très mal le fer, la balle part en biais, elle vient frapper Henri en plein milieu du front. Paf! Et Henri s'écroule raide mort. Oh mon Dieu, c'est affreux. Alors tu ne peux pas savoir, pour faire 18 trous, le temps que nous avons mis à tirer la balle, tirer le corps d'Henri, tirer la balle, tirer le corps d'Henri, tirer la balle. Comme vous avez pu le voir, en jouant à la baballe, le vacancier peut se faire... bobo, parfaitement, bobo. Et pour guérir les bobos du vacancier, à Saint-Fémois-les-Burnettes, il y a le docteur Bougnazal. Allez, on peut les prendre vacances. Ah non, 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 il envoie des éclopés toute la journée. Ah oui, ça va du maladroit qui marche sur des oursins. Jusqu'au malheureux plongeur transformé en steak haché par un connard en scooter des mers. Oh, oh putain, quoi. En passant par Jean Kiki et ses démangeaisons, qui arrive un jour à la clinique, il entre dans le cabinet médical en maillot de bain. Oh, bonjour docteur, oh là là, oh là là, ça me gratouille, ça me gratouille, ça me gratouille. Enfin, Jean Kiki, ça vous gratouille où? Ben, ça me gratouille dans le popotin. Vous voulez pas regarder? Bon ben allongez-vous sur la table, sur le ventre. Allez, voilà, baissez votre maillot de bain. Vous, allez, prends un gant en caoutchouc. Et à ce moment-là, le téléphone sonne, je trompe. Allô? Oui? Qui ça? Madame Simplet. Je vois pas. Ah oui, la naine. Oui, bien sûr, Madame Simplet. Oui, 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 je vois très bien, oui. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Simplet? Quoi? Ah, vous avez des irritations, ça vous chauffe entre les cuisses chaque fois que vous allez à la pêche. Ah, je vois pas ce que ça peut être, hein. Non. Ben, écoutez, la prochaine fois que vous allez à la pêche, avant, pensez me voir à la clinique, on regardera ça. C'est ça, à plus tard, Madame Simplet. Au revoir. J'en étais où, moi? Bon, alors, micratouille. Excusez-moi, je vous dis. Ah ben oui, dites donc. Une marguerite. Oh, qu'est-ce que t'as foutu? Mais ça dans un vase, clouf. Mais ça me gratouille encore. Bah oui, là, je regarde. Flemme, une tulipe dans l'oignon. Oh, chrave là, un glaïeul. Chra, une rose. Ah bah oui, bah je sais, mais en plein. Et voilà une pivoine, et voilà un dahlia, et voilà des anémones. 27 fleurs en tout. Non, enfin, Jean-Kiki, c'est vous qui vous êtes mis toutes ces fleurs dans le popotin? Oui, je savais pas comment vous les offrir. Et à ce moment-là, arrive une naine en ciré jaune qui lui descend jusqu'au pied, haute comme ça. Bonjour docteur, je suis Madame Simplet. Ah oui, la dame qui a les échauffements, les irritations entre les cuisses, chaque fois qu'elle va à la pêche. Oui, puis comme aujourd'hui j'allais à la pêche, eh ben je suis venu vous voir. Eh ben on va regarder ça. Allez, montez sur la table là-bas et puis sautez. Hein, allez-y. Merci. J'y arrive pas. Ben, je vais vous aider. Allez, allez, hop, tendez-vous. Mettez-vous sur le dos. Voilà. Ouais, ça. Effectivement. Bon. Prends ces ciseaux. Soulève le ciré. Et tchac, 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 tchac. Voilà. Bon. Allez, asseyez-vous sur le bord de la table. Sautez, marchez, ça vous chauffe plus. Ah bon? Hop. Ah ben oui. Ah, oh, c'est formidable. Je sens plus rien. Ah, oh, je vais pouvoir aller à la pêche. Merci, docteur. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Bon, pas grand-chose. J'ai raccourci vos bottes en caoutchouc. Toute la journée comme ça, jusqu'au soir, où au moment où il va partir, le médecin ouvre la porte,
Et là, entre un plongeur, avec des palmes, un masque, un tuba et un harpon planté dans la tête. Je sens... Ah ! Avec de l'humain, là ! Ah, il y a ouvert quelque chose, hein. Oh, ben, mon Dieu, mais écoutez, vous arrivez tard aussi, moi, j'allais partir. Mais comment vous êtes fait ça ? Oh, mais j'étais sur le sol, j'écrivais mes cartes postales. Il a couillé mon copain Gilbert, il arrive et il me dit, hey, « Hé, Georges, Georges, tu viens faire de la pêche sous-marine ?»« Ah, moi, j'adore ça. » Alors, je mets mes palmes, tout ça, je m'équipe, et pour pas le perdre, je mets mon stylo dans mon maillot de bain. Puis je pars plonger, à 5 mètres de profondeur, il y a mon stylo qui se met à fuir. Nuage d'encre. Gilbert me prend pour un poulpe, il tire. Et je tâche. Allez, mais pas, docteur. Ah oui, mais moi, à cette heure-ci, j'ai plus personne au bloc opératoire. Mais comment on va faire? Oh là là. Ah, j'ai une idée. Bon, écoutez. Tiens. Appuyez-vous contre le mur là-bas. Les deux mains. Les deux mains, docteur? Oui, oui. Allez-y, mettez-vous comme ça. Comme ça? Voilà. Bien la tête face au mur. Voilà, le harpon vers moi. Attention. Cramponnez-vous. Enfonce le harpon qui ressort par l'œil. Ah ah, allez, montez au premier. Je crois qu'ils sont encore ouverts en ophtalmo. Ah ben oui. Ah mais il n'y a pas que le docteur Bougnazal qui envoie des bizarres. Ah ben oui. Il y a le boulanger aussi de Saint-Fébois-les-Burnettes. L'autre jour, il y a une routine qui rentre dans sa boutique en short violet avec des fleurs oranges et la tronche en quinconce. Pourtant, monsieur boulanger. Ah, bonjour, mademoiselle. Oui, savoir si vous faites des gâteaux d'anniversaire. Ah oui, absolument, absolument. Ouais, ce serait pour faire un gâteau à une version pour ma soeur. Ah, non, je ne peux pas regarder, c'est vrai. Eh bien, oui, oui, absolument, oui. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Pétale. Ah, Pétale, ça, c'est un joli nom, ça, Pétale, oui, oui. Et puis, c'est pas courant, hein. Ah, je sais. C'est mes parents qui ont eu l'idée de l'appeler comme ça. C'est parce que quand elle née, je ne savais pas comment on l'appelait. C'était le printemps. Et son berceau, ma sœur, il était sous un pommier en fleurs. Et tout d'un coup, il y a eu du vent. Et il y a un pétale qui est tombé dans le berceau de ma sœur. Slack. Alors mes parents ont dit, eh ben voilà, on va l'appeler Pétale. Alors voilà une jolie histoire. Ah oui, c'est bien ça. Très bien, comme ça, moi, sur le gâteau, je vais pouvoir écrire bon anniversaire, Pétale. C'est ça, exactement. Bon, qui va venir chercher le gâteau? Ah, oh, bah, c'est moi. Et comment vous appelez-vous? Poutrelle. Alors, si vous allez à Saint-Fémois-les-Burnettes, promettez-moi de descendre à l'hôtel des Trois Marmottes. Ah, bah, c'est un hôtel formidable, dont le confort chaleureux lui vient de son premier directeur, Monsieur Louis, qui aujourd'hui préside aux destinées de l'hôtel Makelele, au Sénégal, où sont descendus Mathieu et Sylvette. C'est un grand professionnel, hein, qui sait parfaitement s'adapter à toutes les situations. Tenez, par exemple, l'autre jour, il surprend un touriste chinois qui sort des toilettes en oubliant de fermer les robinets. Ah, ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de me mettre de l'eau partout. Ça va pas, non? Enfin, avant de sortir, mais fermez les robinets, essuyez-vous les mains. Enfin, c'est pas compliqué, il suffit de suivre la notice qui est inscrite sur le distributeur automatique de torchons. Ah, t'as compris? Je vais lui expliquer par geste. Avant de partir, n'oubliez pas de fermer les robinets et de vous essuyer les mains. Regardez cet écrit-là, il suffit de tirer 20 cm de tissu propre sec. Le Chinois va rejoindre son groupe, à qui raconte en chinois son aventure. Oh là là, je suis tombé sur un fou dans les toilettes. Il s'est mis à crier très très fort. Alors comme je ne comprends pas le français, il m'a expliqué par geste. Et là j'ai eu très très peur. Car il m'a dit, pas vouloir partir, non, non, moi t'enfermer à double tour et bien m'amuser, car je vais te faire sortir les yeux de la tête en te prenant par derrière comme une bête.
Pendant ce temps-là, Mathieu arrive à la réception avec Sylvette et sa valise à roulettes. Ta gueule, la valise. Et la Sylvette, regarde-la, tiens, je vais payer l'addition. Monsieur le réceptionniste, s'il vous plaît, à me préparer la note. Ben, Dieu. Tout de suite, monsieur Mathieu. Eh ben, doucement là-haut. C'est pas fini. Oh ben, dis donc. Moi, c'est que le bas qui m'intéresse. Hein. De quoi? 35 000 balles pour 8 jours? Non, mais ça va pas, là, il y a une erreur. Ah non, monsieur Mathieu, c'est le prix. Bon, comment c'est pas possible? Il y a une erreur quelque part. Ah, tiens, je savais bien, là, Sylvette, regarde ça. Hey, excursion en mer avec le yacht du club, 15 000 balles. Avec la Sylvette, on a loué un pédalo, ouais. J'avais géré le coup de pédale, hein. Mais monsieur Mathieu, je suis désolé, hein. Mais le yacht du club, il était là. Fallait le prendre. De quoi? Non, mais ça va pas. Et puis ça aussi, tiens. Et survol de la côte, avec l'hélicoptère du club, 10 000 balles. Et ce truc volant qu'on a vu avec les Sylvettes, c'est une moustique dans le bac à l'eau, alors. Mais monsieur Mathieu, je suis désolé. Mais l'hélicoptère du club, il était là. Il fallait le prendre. Ah, c'est comme ça? Eh ben, je paierai pas la note. Tiens, je vais te la faire bouffer, moi. Tiens, avance. Mathieu, arrête de le gaver. C'est pas un canard. Eh ben, moi, je suis pas un pigeon. À ce moment-là, monsieur Louis sort des toilettes. Ah! Ah! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, monsieur le directeur, c'est mon mari, Mathieu, avec votre réceptionniste, monsieur Yao. Ah! C'est pas fini! J'ai parlé tout de suite! J'ai parlé tout de suite, Dieu! C'est ma chef ici! Ah, ça fait mal. Oh, qu'est-ce qui se passe, monsieur Yao? Racontez-moi. Je ne comprends rien. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à Paris chinois aujourd'hui? Tournez-vous, crachez-moi ça. Paf! Hein, regardez-moi! Là! Racontez-moi, je vous écoute. Monsieur le directeur, c'est monsieur Mathieu, il ne veut pas payer sa note. Comment ça, il ne veut pas payer sa note? Ah! Ah! Monsieur le client, ma biche, pourquoi ne voulez-vous pas payer votre note? Ben, je veux pas payer, parce que tous les deux, vous avez violé ma femme Sylvette. C'est possible! On n'a pas violé votre femme! Nous n'avons jamais abusé de votre femme, ni monsieur Yao, ni moi-même, voyons! Ben, elle était là. Fallait la prendre. Alors, je ne voudrais pas vous quitter sans que nous ayons une pensée pour ceux qui n'ont pas pu partir en vacances. Comme ces vieux ou ces jeunes dans les cités qui n'ont pas les moyens. Pensez un peu à cette vieille Hortense qui n'a de distraction que la messe à laquelle elle va assister à l'église Saint-Archimède de l'immersion. Dans la cité des Coucougnoles, là où elle habite à Noisy-le-Bulot. Heureusement, tous les dimanches, sa copine Morissette vient la chercher. Ping dong! Qui est là? C'est moi, c'est Morissette. Mais dis donc, dépêche-toi, on va être en retard, là. Voilà, voilà. La porte s'ouvre, Hortense apparaît, en imperméable, avec un parapluie sous le bras. Allons-y, allons-y. Oh, mais comment tu t'es déguisé, dis donc? T'es folle, il fait un temps superbe. Oui, mais quand nous sortirons de l'église, il va pleuvoir. Allons-y. Oh, ben ça va pas mieux, hein, dis donc. Je sais pas ce qu'il y a là, mais... Il a l'air d'avoir ébréché sa carafe. Hein. Voilà, messe toutes les deux. Gloria, Gloria. Gloria, Gloria. La messe se termine et lorsqu'elle sort de l'église, éclate un orage épouvantable. Il y a tellement d'éclairs, il pleut tellement fort, ils ont l'impression d'être prises en photo dans un lave-vaisselle. Alors, tu vois, je te l'avais bien dit. Oh, c'est extraordinaire. Et le dimanche suivant, Morissette est de retour pour chercher sa copine. Bing dong! Qui est là? C'est moi, ta copine Morissette. Dis donc, prends ton imperméable et ton parapluie. Le temps est couvert, ça va saucer. Mais la porte s'ouvre sur une Hortense toute printanière, en robe légère à fleurs, avec des grandes lunettes de soleil et un grand chapeau de paille avec des fruits sur le côté. Oh, le
Regardez-moi cette vieille coquette qui va se faire tremper. Ah, on dirait Mélina Mercouri dans un défilé de mode pour Villemorin. C'est ça, moque-toi, moque-toi. N'empêche que tu verras, quand nous sortirons de l'église, il fera un temps magnifique. Ouais, bah on verra. Bon, à la messe. Et quand elle se termine, et que les scouts entament le Oh, when the saints go marching à la guitare et au mirliton, Morissette et Hortense s'éclipsent. Mais le soleil fait exactement le contraire. Fait un temps sublime. Alors, tu vois, je te l'avais dit. Oh, oh ça c'est fabuleux. Attends, Hortense, attends, ouais. Explique-moi comment tu fais. Chaque dimanche, pour deviner le temps qu'il va faire avec une pareille précision. C'est de la magie. Non, j'ai un truc. Tous les dimanches matin, avant d'aller à la messe, lorsque je me lève, je soulève le drap de mon lit et j'observe la gibounette de mon mari. Si elle penche à droite, c'est qu'il va faire beau. Et si elle penche à gauche, c'est qu'il va faire mauvais temps. Oh ! Et si elle est au milieu ? Alors là, je ne vais pas à la messe. Alors, Morissette raccompagne Hortense, et comme ce dimanche matin-là, la supérette de la cité est ouverte, elle va y faire ses courses. En face de la supérette, il y a deux jeunes qui sont là, qui discutent en verlan. « Vas-y, va, moulot, comment tu vas ? Ouais, ça va, toi, vas-y, vas-y, va, ouais, ça va, toi, vas-y, vas-y, va, yo. Moulot, hein, t'as du shit ? Ouais, non, j'ai pas de shit. J'ai rien à me fumer. Ouais, t'as rien à fumer. On peut même pas se rouler des pétards. Mais non, on peut pas se les rouler des tarpés. Ouais, l'autre, vas-y, va, c'est de la dope, ça. On peut pas de shit non plus, mais t'as demandé à notre copain David. Vida, notre copain juif. Ouais, je lui ai demandé, je me rappelle, c'était au début de l'année. C'était en janvier. En quoi ? En viégeant. Ah ouais. Ouais, j'arrive, je lui fais, Vida, Vida. On lui ouvre la fenêtre, je lui dis, hé, hey, t'as pas de shit ? Il me fait, ça va pas, c'est qui pour ? Je dis, bah c'est moi pour. Vas-y, va, vas-y, va. Non, pas là. Vas-y, va. À ce moment-là, ils aperçoivent Morissette qui sort du magasin avec des sacs pleins les mains. Ouais, un moulot, regarde la vieille, elle fait de la muscu. Arrête de te foutre de sa gueule, c'est la grand-mère à Stallone, elle va te péter la tête et te domer. Elle finit de vous foutre de moi, oui. Ouais, bien vous y voir, vous. Qui galopave, hein. Soyez bien incapable de monter mes sacs au cinquième où j'habite. Moi, tu fais de la provoque, là, mémé. Moi, tu les montes tes sacs si tu nous donnes du pognon. Ah ben d'accord, je vous donnerai 10 francs à chacun. Oh, 10 balles, tu parles. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse de tes 10 balles? On se les met dans l'oreille pour détacher la chaîne. Et il n'y a pas marqué caddie. Oh. Oh. Shit. Oh, si va la mémé, comment qu'elle est moderne. Oh, t'as vu ça? Oh, c'est de la pure mémé. Hé, la mémé. Et t'es dealer? Ah oui, le midi moins 10. Oh, mais non, pas dealer. Dealer, toi, dealer. Comme dans le Tour de France. Oh. Allez, moulot, prends les sacs. Moi, je prends la mémé. Moulot ramasse les sacs, Aziz met la mémé sur ses épaules, hop! Ah bah, j'ai dit non! Allez, on monte ton cinquième! Allez, mais c'est parti! Ah. Et on pousse ta tête, on se te claque la tête! Ah bah, oh là là! Oh, dites donc, les jeunes! Ouh, vous êtes drôlement costauds, hein! Ouais, tu parles, pour les petits beurs, c'est du gâteau! Avec la mémé. Allez, balance tes clés, la vieille. Hop, que je ouvre la porte. Voilà, voilà. Flon, je toque. Merci, ouvre la porte, je toque. Et ils entrent, la mémé, ping. Ah, et c'est vous. Ouais, voilà. Aziz pose les sacs dans la cuisine. Moulou dépose la mémé, hop. Ah, oh là là. Oh, quelle aventure, hein.
Allez, la vieille, fais péter le shit. Voilà, voilà. Elle ouvre le frigo et fait... Vous désirez quoi? Shit orange ou shit citron? Travailler d'équipe un peu avec mes régisseurs James et William, dites-leur bonsoir. Alors si j'ai bien tout compris, vous en voulez une autre? Oui. Vous en voulez une autre? Oui. Pas assez fort, vous en voulez une autre? Oui. Allez, hein. Oui. Bon d'accord. Surtout que tout le monde n'est pas rentré de vacances, hein. Et en particulier, ceux qui ne savent pas la différence entre les vacances et le boulot. Je veux parler du député européen. Lui, il n'a pas tout compris, il a quitté la Corse, il est revenu sur le continent. Puis alors là, il est allé dans le sud-ouest. Il s'est arrêté à Castelnaudary, où il a passé un séjour idyllique. Mais il faut bien qu'il retourne à Paris quand même. Il est là, ce jour-là, il doit reprendre le train de nuit. Alors, tout le conseil municipal l'invite à un magnifique et délicieux... Qui a dit choucroute? Un cassoulet. Oh, j'adore les cassoulets. Moi, j'ai pas grand chose pour celui-là. Merci, monsieur le maire. Garçon, s'il vous plaît, garçon, j'en prendrai vite une quatrième assiette. Mais le garçon, il est tellement lent. Mais il est lent. On dirait un escargot suisse émigré en Corse. Tant et si bien que le député européen, lorsqu'il arrive à la gare, c'est quelques secondes avant le départ du train. Attends-moi le train. Il n'a que le temps de jeter sa valise à l'intérieur du wagon lit. Il se hisse à bord, le train démarre. Et ça, ça lui demande un petit effort qui lui arrache un petit coup de trompe. C'est pas moi, c'est le train. D'habitude, quand je pète, je fais... Alors là, pas. Il n'y a personne dans le couloir. En cherchant son compartiment, bah, il se débrouille pour se faire une petite série. Pom, chibam, clop, whiz. Oh. Ah, j'ai là, 33. Comme il n'est pas sûr s'il y a quelqu'un à l'intérieur ou non, alors, pour être tranquille, il se déleste un bon coup avant d'entrer, en camouflant le bruit avec le bruit d'ouverture de la porte. La personne. Prend sa valise, il la pose sur une des quatre couchettes. Il l'ouvre. Copieur. Sort son pyjama. Oh oh. Oh oh. Oh, celui-là, il va être mortel. Juste à ce moment-là, arrive le contrôleur. Bonsoir, monsieur. Oh oh. Oh là, ce pyjama, qu'est-ce qu'il est froissé, alors. Oh, monsieur le contrôleur. Alors, monsieur, le train arrive en gare d'Austerlitz à Paris demain matin à 7h15. À quelle heure voulez-vous que je vous réveille? Oh, voilà, à 7h, ça ira très très bien. Très bien, monsieur, 7h, bonne nuit. Comment? Non, non, c'est mon genou qui a craqué. Il se déshabille. Prend son pyjama, l'enfile. Va se brosser les dents. Psst.
se met au dodo. Oh oh, oh oh. Oh oh. Oh, oh, c'est dommage que j'ai pas les oreilles qui vont avec. Hein, pour... Et il se plonge dans la lecture, de autant en emporte le vent. Bon, c'est pas terrible, hein. J'aurais dû prendre Guerre et Paix. Et il s'endort. Et toute la nuit, c'est un concert. Le lendemain matin, pam pam pam, c'est le contrôleur, il est 7h répétante. Voilà, voilà, merci. Il se lève, se rhabille. Ferme sa valise. Ouvrir la porte. Personne dans le couloir. Oh, bah tant mieux. Je vais pouvoir terminer avec un bouquet final. Oh, oh, c'est la première fois que j'entends le France entrer en gare d'Austerlitz. Il va pour prendre sa valise, et là il s'aperçoit que le rideau de la couchette au-dessus se met à bouger. Oh, oh, j'étais pas tout seul. Effectivement, le rideau s'ouvre, il y a la tête d'un voyageur qui apparaît et fait... Et un petit caca, ça vous ferait pas du bien?